Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire la 18ème mission du jeu World in Conflict, et on va passer sur la dernière mission du pacte de Varsovie, de l'URSS plutôt. Quelques jours plus tard, environ Tacoma, WA, USA. Et je sais tout de suite avec la cinématique, à tout de suite. Entrez Volodia, prenez un siège. C'est en marche? Non, ne vous en faites pas. Ces bandes vont aller prendre la poussière dans quelques souterrains. Éteignez-le. Mais... Viklouchi, Valéry. Comme vous voulez, colonel. Il n'y a pas de place pour la vérité sur cette machine. Ce mot est dangereux, Volodia. La vérité. Un concept très... Ça suffit, Valéry. Nous sommes battus ici, je le sais, et vous aussi. J'ai peur que Moscou ne puisse l'accepter. Je ne parle pas à Moscou. Je vous parle à vous. Et pour me dire quoi, au juste? Que je n'ai pas amené mes hommes en Amérique pour qu'ils se suicident en masse. Et pour ce qui suit, je vais avoir besoin de vous. Vous pouvez compter sur moi, Volodia. Je l'espère, Valérie. Maintenant, rallumez ce truc et finissons-en. Très bien. Entretien numéro 478. Sujet colonel Vladimir... Dans son discours au congrès du parti, le secrétaire général a parlé des sacrifices accomplis et des sacrifices à venir. Mais il a insisté sur l'indéniable victoire qui est la nôtre et sur la fin prochaine... C'était une déroute. Nos forces dispersées allaient vers Seattle et les secours que nous espérions y trouver. Utiliser une bombe nucléaire sur son propre pays... C'était une abjection à une échelle sans équivalent, même chez nos dirigeants. Et cela avait détruit nos derniers espoirs de remporter la victoire en Amérique. Sans le colonel, nous n'aurions même jamais entendu parler de Cascade Falls. D'après les communiqués de Moscou, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Avec les Chinois pour alliés, la victoire allait bientôt... etc., etc. Mais nous n'étions pas dupes. Via Sokol 1. Les Américains essaient de nous encercler, mais ils n'y parviendront pas. Il leur a fallu une bombe nucléaire pour stopper nos braves camarades à Cascade Falls. Il leur en faudra une autre ici. Ural 5. Quel est le statut du convoi? Les blessés sont transportables. On peut continuer. Bien. Romanov, vous prenez le commandement de l'aviation légère et vous protégez le convoi. Ici Ural 5. On poursuit. Malachenko va prendre la station radio. Vous devez lui fournir un soutien, Romanov. Nous enverrons des renforts dès qu'elle sera sécurisée. Donc nous continuons cette fois-ci avec le RSS. On avance. Via Ural 5, j'ai ordonné au convoi de continuer vers le nord, le long de la route principale. Excellent, on progresse. Les Américains ne pourront nous retenir. Sokol 1, terminé. Ici Ural 5, on y va. Ces camions transportent notre infanterie et nos blessés, Romanov. Faites tout votre possible pour les protéger. Et cette mission est ma préférée de l'URSS. Nous n'avons pas le temps pour ça, nous devrions laisser les blessés aux Américains. Je n'abandonnerai pas nos camarades à l'ennemi, capitaine. Mais ils nous ralentissent! Comme vous, si vous continuez à discuter. Avancez et sécurisez la station radio comme prévu. Parce que je trouve cette mission en fait vraiment bien. Et surtout, il nous montre un autre visage justement de ce jeu. La plupart des jeux, il nous montre souvent un visage. C'est le bon contre le méchant en gros. Et là, ça nous montre que même l'URSS est humaine, en fait, au final. On ne perd pas de temps. On a pris la station radio. Enfin, on certaines personnes. La zone. Plutôt. Bien. Assurez-vous que les radios restent fonctionnelles. Bien sûr, colonel. Malachenko terminé. Oh. Et en plus, moi, je trouve que la map est très belle. Elle est bien faite, tout ça. J'adore... les maps dans tous les jeux quand il y a des orages. J'adore jouer à un jeu vidéo quand, quand c'est en plein milieu d'un orage. C'est peut-être même le cheat code que j'utilise le plus dans les jeux.
pour dire, me mettre ce temps-là, parce que c'est vraiment mon temps préféré. Et je trouve vraiment ça stylé. Voilà, il y a des bandades. Govorit Malashenko, station radio sécurisée. Bien, capitaine. Vous devez maintenant protéger les flancs du convoi. Compris. Malashenko terminé. Et nous avons la chance. Sokol 1 à tous les groupes de combat. Nous avons établi le contact avec le commandement. Des renforts sont disponibles. Yaoural 5, on se fait attaquer. Aidez-les, Romanov. J'ai ce que je suis en train de faire, mais bon. Dis ça, je dis rien. Putain, faut que j'enlève aussi ce stick-là de dire toujours cette phrase-là. Dis ça, je dis rien, c'est... Alors, extrêmement important, c'est de garder le plus possible en vie les véhicules armés du convoi. Ils sont extrêmement peu nombreux et ne sont pas rempressés. Donc, sauvegarder autant que possible. Parce qu'on sait jamais, il suffit que par exemple l'ennemi arrive jusqu'au convoi. C'est toujours pratique d'avoir quelques unités disponibles pour combattre. Hein. C'est vraiment, moi, cette mission-là, c'est vraiment la, le prélude de ce que j'ai envie de dire de du multijoueur, étant donné que là, il faut vraiment, vraiment bien soutenir le convoi. Et en multijoueur, ça serait vraiment bien soutenir ses coéquipiers. Hein. Bon, bien évidemment, il y a d'autres missions qui illustrent, hein, mais je trouve que c'est vraiment celle qui illustrera mieux, vous verrez bien par la suite. Hein. Donc voilà. Alors, bien évidemment, vous avez que... vous prenez que du lourd. On a passé l'embuscade. On continue. Vous réfléchissez pas, vous prenez du lourd, du lourd, du lourd, du lourd. Ou blood qui Amerikanski. Nous allons éliminer toute troupe ennemie de la zone. Nous ne nous ferons plus surprendre. Romanov, utilisez vos hélicoptères pour reconnaître les flancs. Détruisez tous les ennemis que vous verrez. Pour ceux qui me posent la question, est-ce que je savais ça? C'est une coïncidence. Les flancs sont sécurisés pour le moment, mais à ce rythme, nous allons avoir du mal à atteindre Seattle. Les Américains sont partout. On s'est fichu dans un sacré pétrin. Nos rêves tournent au cauchemar. C'est ce que je pensais. Les Américains apportent d'autres troupes dans la zone. Détruisez-les, Romanov. Bon, là, je suis hors de portée de la DCA, donc je me mens contrebalance. Tovarish Polkovnik, nous devrions contre-attaquer. Cette promenade dans la campagne ne nous mène nulle part. Niet, capitaine. Contre-attaquer serait imbécile et irréfléchi. Nous suivrons le plan. Zone sécurisée. Allez au point de passage suivant, Romanov. Yaoural 5, nous progressons. Quel dommage que nous ayons échoué à Cascade Falls. Les choses auraient été... différentes. Da, mais pas forcément meilleures, camarade. Qui sait? Mais étant donné que s'ils auraient... s'ils seraient arrivés au Forteur, bien évidemment, on se doute qu'ils auraient découvert que pour les étoiles était une connerie. C'était juste du vent. Et ils auraient sûrement déclenché... Éliminez-les, lieutenant. Un hiver nucléaire. Bien évidemment, comme vous avez vu qu'il y a un titre de ma vidéo qui s'appelle... non, une description de vidéo. Bon, je sais plus. Qu'est-ce qu'elle m'a fait mal, cette blessure. Waouh. J'avais complètement oublié. Le pire, c'est que j'ai vu en plus. Nous détruirons les Américains ensemble. Donc voilà. Bien joué, Romanov. Continuez. Je vais retourner bien évidemment ici pour réparer. Et en profite, vu qu'il y a un petit temps mort, je lis bien évidemment tous vos messages, hein, tous vos commentaires que vous mettez sur, sur ma chaîne YouTube. Mais il y a des messages qui commencent un peu
que je trouve pas qu'il se fasse surpasser sur ma chaîne, c'est que certains ils mettent des commentaires comme GG, mais ils n'expliquent rien du tout. Short, ces batteries d'artillerie doivent être détruites. Romanov, j'ai une nouvelle mission pour vous. Vous devez neutraliser les lance-roquettes américains. Nous avons marqué leur position approximative pour vous. Et le problème, c'est que j'apprécie pas les personnes en fait que quand vous mettez un commentaire, je dois avoir un minimum derrière. Et ce que j'entends par un minimum, c'est te dire par exemple ce que vous avez aimé ou que c'est une bonne vidéo, tout ça. Et pas mettre juste des initiales. Et pendant que j'y suis, le langage SMS, sachez que je ne lis pas tout ce qui est écrit en SMS direct, je le dirai. Que nous vivons en société, il est tout à fait normal d'écrire dans une langue que tout le monde comprend, pour que tout le monde puisse être compris. Donc le SMS, vous avez été sur ma chaîne YouTube. Et étoffez un peu vos commentaires. Hein. Je mords pas, si vous avez une question, j'y réponds tout de suite, ça vous le savez. C'est des remerciements, par exemple, pour une vidéo, je le prends toujours bien, mais bon, évitez quand même des choses que je comprends pas. Par exemple, GG, présume, ça veut dire, ouais, bien, bonne vidéo, t'as bien joué, tout ça. Ici, Ural 5, je trouve pas que c'est convenable pour une vidéo. T'as meilleur temps de mettre une vidéo bien réalisée ou quelque chose d'anglais. Donc, voilà. J'espère que les personnes qui faisaient ça ont compris mon choix et que vous respecterez ça. Hein. Il faut les détruire. Mais ceux qui ont fait ça, je n'en veux pas. Hein. Je n'en veux pas, mais c'est juste pour des, pour comme éclaircir un peu le contact fort. Avec des éléments capables de fournir des tirs de soutien. Appelez-les au besoin. Les commentaires, ce que j'apprécie pas, ouais, c'est. Les Bediev Nasviazi. On a intercepté des communications. Il y a un poste de commandement américain au nord. Alors, il faut le détruire aussi. Ça devrait les assommer le temps que le convoi s'échappe. Da, puis nous pourrons nous concentrer sur les forces de la garde nationale qui arrivent du sud. Ah là. Ici Ural 5, on poursuit. Y'a Ural 5, le barrage nous a infligé des pertes. Chart, on ne s'y attendait pas. Essayez de protéger ce qu'il reste du convoi, Romanov. Govarit Malachenko, on devrait plutôt songer à foncer. Si on le fait sans sécuriser d'abord la zone, nous subirons de lourdes pertes. Je suis opposé à ce plan, colonel. J'en prends bonne note. Continuez maintenant. Sokol 1, terminé. Voilà, deuxième position nettoyée. Et nous allons commencer à tailler en miettes. Toute la DCA ennemie. Alors ils disent protéger le convoi, c'est protéger les camions du convoi. Pour ceux qui se posent la question. Ah, pas trop mal mes raids. Hein. C'est vraiment protéger les camions étant donné que c'est ça qui est vital. Hein. C'est en gros c'est un peu une mission de protection de civils en quelque sorte, parce que dans les convois, parce que dans les camions c'est des blessés qui sont transportés, tout ça. D'ailleurs c'est une mission que j'adore, comme ça je vous l'ai déjà dit, donc faut que je me calme à dire toujours c'est une mission que j'adore. Là vous avez compris. Sokol 1, tous les points forts sont nettoyés. Malachenko, vous êtes en position? Malachenko Slouchet, nous sommes prêts. Yaoural 5, nous tenons la position et attendons les ordres. Yaoural 5, chasseurs américains en approche. Ce sont des Warthogs, à couvert.
Oh non, pas encore, non, le combat déjà assez subi, non. Oh mon dieu. Romanov, vous fournirez un soutien aérien à la seconde compagnie pendant qu'ils prennent d'assaut le poste de commandement. On a bien reçu. On ne perd pas de véhicule en cours de réparation. Govorit Malachenko, vous ne m'avez jamais laissé tomber, Romanov. Ne commencez pas maintenant. En avant! Attention aux unités isolées attaquant le convoi, Romanov. La protection des camions reste votre priorité. Hop. Et bien évidemment. Priorité au DCA. Vous ne vous réfléchissez pas, ça c'est une logique imparable. Hein. Warthog, pour ceux qui se posent une question, c'est... Ici les Lebedev. Les forces américaines sont maintenant à moins de 2 km. J'étais occupé à me battre. Des nouvelles du haut commandement? Rien de neuf depuis l'ordre de rallier Seattle. Nous recevons des transmissions sporadiques d'autres groupes de combat, mais rien de clair. Tout part en vrille. Non! Nous irons à Seattle et nous laisserons les Américains se suicider en nous attaquant! Mais bien sûr, capitaine. Maintenant, sécurisez ce poste de commandement. Ce sera bientôt fait. Malachenko, terminé. Mais, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Beaucoup connaissent le Addis Timberbolg, le Warthog, c'est le Addis Timberbolg, en quelque sorte. Hein. Si je me trompe pas, hein, c'est que... Ici, Malachenko. Je crois que c'est l'autre nom qui est donné à ce véhicule. 5, vous pouvez avancer vers le prochain point de rendez-vous. Ou c'est soit une version antérieure ou... Bien reçu, Sokola. On vous voit là. Postérieure au Radis. Donc, pour ceux qui sait, moi, qui me le disent, hein. Ici, Ura, que je suis intéressé par va. Ça. Nous avons subi un minimum de pertes. Merci de votre excellent soutien, camarade lieutenant. Et je m'excuse d'avoir pas en plein milieu de leur dialogue. Vous avez protégé le convoi et les blessés au mieux de vos aptitudes, Romanov. Bien joué. Nous devons maintenant défendre nos arrières pendant que le convoi continue. J'ai un plan. Briefing dans 5 minutes. Capitaine Malachenko et commandant Lebedev, vous y assisterez. Les autres, restez en position et montez la garde. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le briefing, d'accord. C'est de Tacoma, 15h. Si nous allons à Seattle, nous mourrons à Seattle. Les Américains ne permettront pas aux Chinois de débarquer. On a vu à Cascade Falls jusqu'où ils sont prêts à aller. Que voulez-vous dire par là, colonel? Nous n'allons pas à Seattle. J'ai pris les dispositions pour ramener les hommes à la maison. Un navire nous attend à cette position ce soir. Quoi? Et trahir notre pays? C'est la seule chose à faire. J'en assume la pleine responsabilité. Vous étiez au courant de ça? Ce n'est pas lui qui commande, c'est moi. Essayez de comprendre, Nikolai. Je suis le capitaine Malachenko de l'armée soviétique, et vous vous comportez comme un traître. Je fais ça pour les hommes, Kolia. Ces hommes ne vous appartiennent pas, ils sont à l'État. Ma femme et ma fille ne sont pas mortes pour que vous puissiez vous enfuir. Nous n'avons rien à faire ici. Toute cette histoire est absurde. Merci, camarade. Merci, c'était un trait. J'emmène ma compagnie à Seattle. Je mènerai le bataillon. À la victoire. À la victoire. Alors, là, il a pété un plomb. De choisir, mon vieil ami. Exactement. Ça sent souvent d'ailleurs le titre de cette mission. Hein. À toutes les unités Sokol, ici le major Lebedev. Le colonel est mort. Je prends le commandement. Le capitaine Malachenko et la seconde compagnie ont poursuivi vers Seattle.
Nous devons organiser l'arrière-garde. Romanov, établissez un périmètre et contenez les attaques américaines. Vous devrez également commander certains éléments terrestres, Romanov. Ne laissez pas passer les Américains. Placez des positions défensives sur la route. Je m'occupe des flancs. L'aviation légère va poursuivre ses sorties pour nous. Demandez un soutien aérien. Voilà, je vais faire un groupe comme ça. Je pense que ça me plaira bien mieux. Alors nous avons ça, ça et ça. D'accord, ça me convient. Là, nous venons d'apprendre quand même une chose assez importante. Vous voulez qu'on enfonce les lignes ennemies ? Il y en a un qui a pété un plomb. J'ai déjà dit, mais bon, je vais le répéter. Hein. C'est... Voilà, c'est... Mais heureusement, ça arrive dans toutes les armées. Ça va être pire. Pas se dire, ouais, c'est que l'URSS, non. Les forces terrestres américaines approchent. Elles ont des unités anti-aériennes. Attention, Romanov. Qu'à se diriger au flanc droit, je me dirais avec les hélicos sur le flanc gauche. J'anticipe, hein. Ah, le colonel avait raison. Toute cette opération était perdue d'avance. Pourquoi ne l'avons-nous pas compris? Les communications doivent passer sur fréquence 4. Maintenant. Oural 5, confirmé. Ici Oural 5. Oural 5, vous avez de nouveaux ordres. Le convoi doit se rendre aux coordonnées que je suis en train de vous envoyer. Nous combattrons les Américains ici, puis nous vous suivrons. Compris. Malachenko, confirmé. Ici Lebediev, j'appelle le capitaine Malachenko, Priom. Ils ont dû rater le changement de fréquence. Dommage, mais on fera sans eux. Disons que là, il le savait en fait qu'il n'avait pas changé de fréquence. Et il a fait exprès en fait. Pour que ça fasse moins goût justement, vous voyez, c'est... Ouais, il y a quand même tout contrôle 1, contrôle 2 et contrôle 3. Non, contrôle 2 et contrôle 3. Et il n'y aura pas de contrôle 4. Vous et moi sommes sains d'esprit, Romanov. L'État aura besoin de nous quand tout sera fini. Voilà. Voilà. Vous cramez les bois. Comme vous avez remarqué, ils envoient des unités parachutées dans les bois. Pour ceux qui se demandent, est-ce qu'on peut embarquer en multijeu, est-ce qu'on peut mettre de l'infanterie alliée dans des hélicos? Oui. Justement, ça a même été quelque chose qui a été vraiment voulu dans le jeu. Vous devez tenir un peu plus longtemps, puis nous nous replierons sur pour forcer le travail d'équipe. C'est une des choses qui a été le plus voulu dans le jeu, c'est vraiment le travail d'équipe. Mais pour le travail d'équipe, il faut prévoir des choses de travail d'équipe, donc tel que ça justement. Il y a de nombreux jeux qui ne le proposent pas. Par exemple, pour Game Ergant Battle, je ne le propose pas. Pour ceux qui se demandent, hein, c'est vraiment un gros défaut que je trouve à Wargame, c'est vraiment ce défaut-là. Mais bon, tout jeu a des défauts, bien évidemment. Hein. Mais là, on est sur ce jeu-là, on peut faire déjà ce jeu. Donc alors, nous tenons une défense, hein, voilà, vous... C'est pas compliqué, vous mettez votre ligne défensive, vous explosez tout ce qui s'appelle DCA avec vos chars. Voilà. Une fois ça fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hélico, première ligne. Hop, 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 hop. Des missiles à T-Spiro, Spirail. Et hop, voilà, explosé. Tir d'artillerie en approche. Il est temps de battre en retraite sur les positions de défense alternatives, Romanov.
Oula, oula le barin. Non, 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 non. Moi je pars, c'est bon, j'ai compris. Et comme vous constatez, la météo a changé durant la mission. Vous voyez que le soleil, c'est que on va de plus en plus jour. Bon, ça, ça sert à rien ce que je dis là. Ça sert complètement à rien, c'est pour essayer de broder un peu. Hein. Et bon, je voulais le dire. Juste pour montrer quand même qu'ils y ont pensé. Voilà, c'est un petit détail. Jusqu'au bout. C'est tout, Romanov. Nous briserons leur offensive, puis nous nous replierons. Qui dit briser, dit devoir utiliser des bombardiers. Non, plus sérieusement, c'est vraiment extrêmement répétitif en fait, les missions du pacte de Varsovie, c'est que vous avez toujours un moment où vous devez défendre. Toujours. Vous constatez, à toute première mission, on arrive dans une, on doit défendre la place, 17 juin. Dans cette mission, nous devons défendre la fuite du convoi. Et je vous laisserai regarder les autres vidéos avec l'URSS, hein. Nous devons également défendre. C'est quelque chose un peu de récurrent, mais c'est quelque chose que j'aime bien, je trouve ça. Vu comme mission c'est scénarisé, je trouve que les défenses sont bien mises en place en fait. C'est pas des mises de défense pour de la mise en défense par exemple. Oh là là, l'ennemi arrive, nous devons nous tenir en position. Non. Derrière, il y a un scénario qui tient en route, par exemple. Nous devons protéger le convoi étant donné qu'il est beaucoup ralenti avec les blessés, tout ça. Et ça a amené. Donc c'est beaucoup moins dérangeant d'avoir des missions qui se... dans la configuration qui soit identique. À partir du moment où le scénario est très bien. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors pourquoi j'envoie des hélicos là? Vous vous posez peut-être la question. Simplement... parce qu'au milieu, il y a la DCA. Ou pas toujours. Pas toujours. Voilà. Je savais qu'il y avait de la DCA. Je me rappelle de mémoire qu'il y avait de la DCA dans le premier. Gros. Donc je me suis décidé de m'en occuper. Hein. Qu'avec les chars. Et maintenant, dès que je vois qu'en fait un endroit où il n'y a pas de DCA, j'interviens avec les hélicos, que ce soit pour mes alliés tout ça. Le but est vraiment de travailler en équipe. Et non pas de travailler pour ça, par exemple, les flancs. Là, vous voyez que le flanc droit a vraiment beaucoup de mal. Ural 5, tout va bien. Nous percevons des combats au loin, mais nous n'avons plus vu d'Américains depuis un moment. Excellent. Vous avez reçu mes coordonnées? Oui, mais il doit y avoir une erreur. Je croyais que nous allions à Seattle. Niet, les coordonnées sont correctes. La route devrait être dégagée. On vous retrouvera là-bas. Compris. Arrivée probable dans 3 heures à la vitesse actuelle. Ural 5 terminé. Bon, alors qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de me prendre un tir d'artillerie direct sur un hélico. Et malheureusement, ça one shot. C'est le jeu. C'est le jeu. Ah, vous voyez, j'anticipe plutôt bien au milieu. Après tout, c'est pas trop dur d'anticiper au milieu. Hein. C'est vraiment... Le convoi aura bientôt atteint la distance de sécurité. Il n'y en a plus pour longtemps, Romanov. C'est vraiment le flanc droit qui subit peut-être le plus de mal à tenir, hein, sans les hélicos. Le flanc gauche, ça va plutôt bien, j'ai déjà remarqué. Bon, ça dépend
des parties, faut le dire aussi. Hein. Parfois, les Français se débrouillent très bien et c'est vous qui n'arrivez pas à vous en sortir. Ça m'est déjà arrivé, c'est un coup. Vous voyez à gauche, malgré... Bon. Les Américains ne vont pas tarder à se replier. Ils ne peuvent soutenir longtemps de telles pertes. Faut dire aussi que je soutiens toujours plus le flanc gauche que le flanc droit. On a une escadrille de TU-95 disponible, Romanov. Ils devraient pouvoir briser l'offensive américaine avec leur tapis de bombes. Appelez-les tout de suite. Hop. Ordre confirmé. Les bombes seront bientôt larguées. On initie les réparations. J'espère que ça suffira. Hein. Fuyez. Oui. Les Américains abandonnent. Je comprends pourquoi le colonel a une telle confiance en vous, camarade Romanov. Vous nous avez tous sauvés. Major Lebedev a toutes les unités. L'heure est venue pour nous de battre en retraite. Nous n'irons pas à Seattle, mais à un port industriel plus loin au nord. Un transport nous y attend pour nous ramener chez nous. Cet ordre provient du haut commandement. Le capitaine Malachenko et la seconde compagnie ne nous rejoindront pas. Les Américains ont un dicton. Il faut vivre pour combattre. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Puis nous honorerons la mémoire du colonel en gagnant cette guerre. Lebedev terminé. Donc voilà, et c'est ainsi que nous avons accompli la dernière mission du pacte de Varsovie. North of Seattle. Into New Orleans. 21h, nord de Seattle. Seul endroit que c'est pas traduit du jeu, je crois. Alors comme ça, il paraît que vous voulez mes papiers. Désolé, camarade major, mais comme le colonel Orlovski est mort, capitaine, je ne peux quitter capitaine, le port sans vérifier. Vous savez qui est le camarade ministre Kravchenko? Bien sûr, c'est le ministre de la Défense. Et c'est mon beau-père. Continuez comme ça et je ferai en sorte que vos brillants services soient récompensés comme il convient. Major. En l'absence de confirmation, je ne peux pas... Je pourrais aussi tout simplement vous faire exécuter par mes hommes. Votre second est peut-être plus disposé à écouter. Nous partirons avec la marée. Excellent choix. Prévenez les hommes. Il faut bien tous choisir. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est la dernière mission du pack de RSS. Donc c'est ainsi que nous avons fini l'extension Warding Conflict Soviet Assault. Il ne nous reste maintenant plus qu'à finir le jeu de base. Hein. Alors, débriefing. Kouan n'a subi que des pertes minimes, mais c'est dirigé en toute sûreté vers le port au nord de Seattle, où un navire attend vos hommes pour y ramener à la maison. Votre utilisation habile du support aérien et des forces aériennes ont permis la survie de nombreux camarades qui pourront ainsi revoir la mère patrie. Nous avons tout réussi. Nous avons spécialisé des armes combinées pour la bravoure, pour dire ce que nous avons fait là-bas, et la médaille du KGB pour avoir fini l'URSS. Ouais, pour la bravoure, surtout, je crois. Ouais, c'est ça, c'est pour la bravoure. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.